Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, dans un premier temps, on va ressemer l'herbe dans mes champs. Voilà, j'avais deux champs qui étaient qu'il fallait relabourer. C'était le 24 là et le numéro 1. Ils étaient bons à labourer et donc du coup j'ai fauché l'herbe, je l'ai ramassée. Et j'ai labouré, enfin j'ai tout préparé le terrain, prêt à semer. Donc on va faire ça ensemble et après on verra, on aura une autre petite activité à faire ensemble. Voilà. Allez, on va mettre ça. On va démarrer. Voilà, démarrer le tracteur. Et je sais pas si j'ai activé le semoir. Hop. Alors, hop. Le semoir activé, c'est bon. Ok. Allez, on est parti. On cache ça. C'est pas joli. On s'éloigne un petit peu. Et c'est parti. Allez. On se met ça tranquillement ensemble. J'espère que ça va bien se passer. Donc j'espère que la dernière vidéo vous a plu. J'ai eu quelques bons commentaires qui font plaisir. Non, par contre, c'est ce que je regardais. Bon, c'est vrai que sur cette carte, c'est moi que j'adore. Et je fais quand même moins de vues que sur les autres cartes que j'ai faites. Alors je pense que c'est l'effet carte privée qui fait ça. Mais voilà, je suis désolé, elle est privée, elle est privée. Mais je tenais quand même à vous partager mon contenu, ce que je fais. Voilà. Même si c'est privé, je trouve que voilà, ça vaut le coup. Je partage ce que je fais, je sais pas ce qu'on voit partout. Voilà. Mais je vois quand même que j'ai une différence de 60 vues, je crois, entre cette carte-là et les autres cartes. Mais bon, voilà. Moi, j'aime bien cette carrière et voilà, je vais la continuer encore. Donc là, on va aller tout droit, on va essayer de faire le plus droit possible. Donc j'espère que vous allez bien. Donc voilà. Là, c'est la dernière fois on avait racheté, on avait acheté. Les serres, je vous avais montré la fabrique, le jus de pomme, le miel, on avait été voir. Donc tout ça, bon, faudra que je le vende après. Alors peut-être que je ferai une petite session vente. J'irai tout vendre avec vous. Ça serait fort probable que j'attende et que je fasse un bon chargement et que j'aille vendre ça, tout ça avec vous. Hop, 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 oula, un peu plus tombé chez les moutons et les chèvres. Hop. Allez, c'est parti, on va se mettre ici. Donc là, ce qu'on va faire après, on va semer celui-là. Il y en a deux à semer, champ. Je pense qu'on va se mettre que celui-là. Je suis rendu sur la route, moi, c'est pas bien. Je pense qu'on va se mettre que celui-là et après on ira ensemble. J'ai une autre petite activité qu'on va faire ensemble. C'est bon. Ah non, j'ai pas baissé.
Le sommoir est assez bas, alors quand on passe dans des chaos, il a tendance à marquer le sol. Donc, il est plutôt bas, même relevé, mais c'est comme ça. Je trouve sympa, moi, ce vieux semoir avec ce tracteur, je trouve que ça va super bien. Ça. Je sais pas si vous faites comme ça dans le réel. Après, c'est vrai que là j'aurais pu faire des fourrières au bout. Il y en aura une à ce bout là. Je sais pas trop m'approcher trop près de la route, mais. Un accident. J'espère que le micro ça va aller, parce que j'ai trouvé que sur la dernière on m'entendait pas trop bien. C'est vrai que le problème c'est qu'à chaque fois que mon logiciel se met à jour, ben, j'ai l'impression qu'il faudrait que je revérifie tous mes réglages. Non, après je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde, je sais pas du tout. C'est vrai que moi je passe pas par OBS. Que je trouve qu'OBS, ben, j'arrive pas à avoir une qualité qui me convient. Dans l'autre partie à côté là, ouais, sur cette partie là, et après on fera la borne au milieu là, servira de fourrière. Allez, c'est parti. Hop, on va faire comme ça. Allez, c'est parti. En attendant, ça fait plaisir. J'ai fait après une longue absence. J'ai pas relevé. Si j'avais relevé. Aïe. Je fais des bêtises en plus. Après une longue absence, je suis assez content par le nombre de vues, de commentaires et tout. Ça fait super plaisir. Donc comme je vous ai dit, hein, voilà, c'est pas facile à gérer. Surtout pendant les vacances, bah, avec les enfants, bah, vous avez entendu dans les dernières vidéos, on entend un peu les enfants derrière. Hein. Voilà. Donc bon, c'est vrai qu'en principe je fais pas de vidéo quand les enfants sont là, mais là j'avais envie de vous faire un petit peu de vidéo quand même depuis le temps. Parce que je tenais quand même à vous remercier tous, hein, parce que. Je suis rendu à 232 abonnés, ça fait super plaisir, vraiment super plaisir. Et puis ben, je remercie tous les fidèles abonnés, hein, parce qu'il y a quand même des fidèles abonnés qui sont toujours là pour laisser des bons commentaires, et ça fait super plaisir. Et surtout n'hésitez pas, dans la description, hein, il y a des chaînes, il y a des liens de chaînes. Hein. N'hésitez pas à aller voir, et surtout si vous voyez par exemple qu'un lien marche plus, vous n'hésitez pas à me le dire. Peut-être j'ai voulu aller voir cette chaîne, le lien fonctionne pas, ou faut pas hésiter, je changerai, voilà. Donc
N'hésitez pas, il y a tout un tas de chaînes dans la description. Il y a une chaîne Twitch aussi, une ou deux chaînes Twitch, je ne me rappelle plus. Mais il y a la chaîne Darkside, qui est la chaîne Darkside qui joue pas mal sur des jeux comme The Division, Red Dead Redemption en ce moment. Et c'est quelqu'un de super cool, super sympa, vous verrez. Sur le chat, il y a plein de petits jeux à faire sur son chat. N'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou de ma part, à lui laisser un petit follow. Enfin, voilà, c'est quelqu'un de super cool, super sympa sur Twitch. Après, faudra que j'ai rajouté d'autres chaînes. Il y a la chaîne YouTube de JC Fracassé. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour et à vous abonner et aller essayer sa map aussi. Hein. Vous allez sur sa chaîne et il y aura son lien pour sa map. Il y a Gigi Gaming aussi. J'ai partagé sa chaîne parce que là, il n'y a pas longtemps, c'est pareil. Il a partagé la map Vieille France V2. Il a fait quelques petites modifs dessus. Et il y a le raisin, il y a les amandes. Enfin, vous verrez, il y a plein de trucs. Allez lui faire un petit coucou, vous abonner à sa chaîne et n'hésitez surtout pas à essayer cette petite map. Hein. Map qui était à l'origine d'Arsenic Modding et il y a eu quelques modifs de fait par Gigi Gaming qui sont vraiment sympas. J'avais commencé un peu à jouer dessus là. Donc n'hésitez pas, hein. Abonnez-vous. Il y a Max, il y a TRZ Mini Cavani. Donc ça, c'est la chaîne. C'est la chaîne de mon fils, TRZ Mini Cavani. Voilà, il a une chaîne YouTube où il a fait beaucoup de Fortnite, mais il fait un peu de farming. Il fait aussi du Minecraft maintenant. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur toutes ces chaînes. Hein. Je vous dis, il y en a plein. Il y a Fred et Madame Fred aussi, ils sont super cool. Il y a JM, le surénois aussi, n'hésitez pas. Hein. J'ai eu beaucoup d'abonnés grâce à lui. Il m'a fait énormément de pubs quand j'ai démarré. Alors n'hésitez pas à aller faire des coucous à toutes ces personnes. Et si vous n'êtes pas abonné à leur chaîne, n'hésitez pas, hein. C'est des gens super cool. Toujours avec de la rigolade sur leur chaîne, ça fait franchement voilà. Il y a René les trois compères aussi, les amis. Allez leur faire un coucou. René, les trois compères. Il y a Franchou, allez les voir, faites-leur un coucou, abonnez-vous à la chaîne. Tout est partagé. Voilà, Fred, Monsieur Fred, enfin il y en a plein. Il y a de quoi faire, les amis, et n'hésitez pas. Il y a Agrissime Gaming, je pense qu'il va reprendre dans pas longtemps. Pendant les vacances, il faisait pas, mais il y a Greg, la team JVJ Greg aussi, n'hésitez pas. Il y a le lien de la chaîne hein, dans la description. Tout ça, c'est des gens qui n'hésitent pas à faire de la pub. Alors surtout, allez-y. C'est pour ça que je fais de la pub, parce que c'est tous ces gens que je parle, et bien, sont franchement cool. Et voilà. Et allez voir les maps qui viennent de sortir, celle de JC Fracassé, c'est voilà, vous allez pas vous ennuyer tellement il y a de travail à faire. Enfin, franchement, voilà, n'hésitez pas surtout à aller faire un petit tour, leur faire un coucou et vous abonner. Ça coûte rien et ça fait plaisir à tout le monde. Oh les petits, j'ai traversé le panneau là. Excusez-moi, c'est pas très professionnel. Ah le boulet. Allez, on va mettre un petit coup là, comme ça.
On va partir comme ça, ouais. Hop, on pose là. Là. Hop, on va attraper là. Et un petit coup ici. Voilà. Hop là. Allez, on va allonger sur le bord là. Dans l'herbe. Je ne sais pas trop rouler dans ce qu'on vient de faire. On va aller remettre un peu de semences. On va poser le tracteur à l'autre champ. Oh là, j'ai des mauvaises herbes là. Enfin, je m'en occupe. Avec un peu de chance, ça va être mort. On va voir ça après. Hop. Ayez l'herbe, hop, j'ai mis l'herbe dans le silo là. Moi je la tasse comme il faut et tout, que je fasse un joli petit tas et ça me fera de l'ensilage d'herbe. Parce qu'on a déjà assez de foin et tout, donc ça me fera de l'ensilage en vrac. Et... là j'ai un champ qui est mûr. Et voilà. Donc les amis, alors ce qu'on va faire. On va déjà aller remettre de la semence là-dedans, si on a, il nous en reste, je pense. Après, il faudra que c'est pareil, il va falloir que j'en fasse. J'en refabrique. Pour refaire des big bags. Hop. Hop. Voilà, c'est plein. Hop, hop. Voilà, on va mettre le chapeau. Allez, c'est parti. On va l'emmener au deuxième. Au deuxième champ qui est à semer. Et après, on va faire l'autre petite activité tranquille que j'ai prévue. Hop. On va avoir de la moisson. On va pouvoir récolter là. Les autres champs ont de la mauvaise herbe, ça va pas être bon parce que je pense que j'espère que ça va pas être trop tard. On va aller là. Hop. Allez, on va laisser le tracteur ici. Il faudra que je sème celui-là. Hop. Voilà, on va laisser ça tranquille. Voilà. Hop. Non, c'est pas ça que je voulais faire. On va passer par là. Hop. Alors, ce qu'on va faire, vite fait. Vite fait, vite fait, vite fait. On va aller là. On va monter dans ce tracteur. Donc là, vous vous rappelez, j'avais dit, c'est le compost. Donc on va aller emmener du compost au cerf. Alors, j'ai fait en off, mais j'ai emmené de l'eau. J'ai déjà emmené l'eau. Pour avancer un petit peu. Là, on va aller vider du compost. La remorque est pleine. Et peut-être qu'une fois qu'on aura vidé le compost, on ira passer un coup de herse pour enlever les mauvaises herbes dans notre champ là. Si c'est pas trop tard, parce que souvent de fois ben, je me rate. Hop, on a fait écraser le piéton. Donc là c'est pareil, on va avoir pas mal de fromage à ne jamais laisser ouvert, impeccable. Hop, allez, c'est parti. Ok, on a pas mal de compost. Hop, allez.
Aïe, retombe, je rentre dans la serre. Hop, allez, hop. On dit, le compost. Alors, je sais pas combien il en faut par serre. Ça va le dire. Je pense que ça a l'air d'en falloir pas mal. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est en faire d'autres, parce que là, autrement, on va être raté. Ah, ouais, alors vous voyez, il va me falloir une benne quasiment par... faire du compost hein, puisque là allez, on va en charger une autre ensemble ouais on en charge une autre ensemble, on va essayer de faire les mauvaises herbes aussi, ça fera un peu plus long que d'habitude mais bon c'est pas grave, comme je peux pas faire beaucoup de vidéos ça laissera le temps de comment dire de regarder celle là quitte à la regarder en plusieurs fois. Je sais que d'habitude je dépasse pas les 20 minutes, mais hop. Allez, hop, on va faire ça. Hop. Changer celle-là et on va aller on va mettre un peu de phare, on y verra mieux. Hop. Alors je sais, mon crameur est plutôt très très sale. Ah ouais, j'aime bien cette petite pelle là parce que regardez, hop. Hop. Voilà. Puis elle est pas mal. Donc c'est pareil, j'ai commencé une petite partie sur la map de JC Fracassé. Faudra que je ben j'essaierai de vous faire des petites vidéos de temps en temps dessus parce que il y a l'air d'y avoir de quoi faire et voilà, mais bon déjà j'ai beaucoup de travail sur celle là et ça me prend du temps et j'arrive pas à, voilà je passe beaucoup de temps sur cette map parce que j'aime bien jouer là dessus.
Peut-être d'ailleurs, on verra, on va voir qui regarde la vidéo à fond en fait. À la fin, faudra, j'aimerais qu'on me dise combien. Comment dire, combien de bennes de compost. Comment j'avais pas arrivé à faire ma phrase. La benne combien de serre avec une seule benne, combien je remplis de serre. Tiens, on verra si je verrai si beaucoup de monde répond. Ça peut être sympa. On va voir avec une seule benne combien je remplis de bacs au niveau des serres. Voilà. Ça sera la petite question. Ah, j'ai pas. Hop. Punaise. Voilà. Allez, hop. C'est plein, je pense. J'ai pas pu vider. Hop. Oui, c'est plein. Allez, on va vider celle-là. Et après, les amis, on va prendre un autre tracteur. Ou on reviendra avec celui-là. Prendre la herse étrille. Pour essayer d'enlever les mauvaises herbes, mais je pense que je me suis fait avoir. Ça va être trop tard. Bon, c'est pas grave, même si c'est trop tard. Moi, j'aime pas. Enfin, je veux pas. Si je peux pas faire à la essaitrique, je veux pas faire à l'herbicide. Donc, voilà. Allez. Donc là, ça vient de pousser. Voilà, ça s'arrose. Voilà. Bravo. Vous voyez, même le... Vous voyez, même le premier bac, on va voir si on peut en rajouter. Mais je pense que oui, on va voir ça. Ah, ça y est. Ouais, donc là, vous voyez, il faut bien une bonne grosse benne. Allez. Non, mais je vais y arriver. Hein. Vous inquiétez pas, je vais y arriver. J'aime bien me prendre les objets. Putain, Stéphane. En fait, je me suis pris comme un manche. Voilà. Ah, vous pourrez rigoler. Moi j'aime bien, je vous mets un peu de rigolade dans le jeu. Oula, ça c'est décalculé ça. Alors, je m'y reprends. Hein. Ah, vous allez dire c'est un conducteur du dimanche, voilà. Ne vous inquiétez pas, je fais pas ça dans la vie réelle. Voilà, allez c'est parti, on vide. Donc voilà. Je sais pas si ça va continuer à se vider là. Ouais, alors, ce qu'on va faire, hop, on va spawn dans un tracteur. Ouais, celui-là, par exemple. Allez. On va prendre la RC tri. Bon, il est un peu. Ah mince, j'ai la charrue derrière. Oh, punaise. Comment perdre du temps en 2 secondes? Voilà, on la baisse et on la détaille. Ouais, c'est que la béquille elle est que sur un côté. Allez, c'est parti. On va prendre la baisse. Tac, on la détaille. Allez, c'est parti. On va essayer, je vous promets rien, ça se trouve c'est déjà trop tard. Quand même. C'est parti, on va faire
Hop, on s'éloigne un peu. Eh oui. Bon ben voilà. Celui-là, je me suis fait avoir. Eh oui, je me suis pas méfié en fait, les amis. Et bon ben voilà, c'est trop tard. Il faudra utiliser de l'herbicide et je veux pas. Donc ben celui-là, il sera avec de la mauvaise herbe. Désolé, mais c'est comme ça. Voilà. Ah punaise. Allez, deuxième fail. Vous voyez? Un petit peu de... Et puis j'y tiens, j'y reste hein. Donc en fait je voulais avancer, j'ai passé la nuit parce qu'il était 22h et ben, pour semer, moi j'aime bien voir ce que je fais, donc j'ai mis de bonne heure le matin et ben, je me suis fait avoir avec les mauvaises herbes. Comme c'est ce champ, je l'avais semé en dernier, ben voilà. Donc les amis, on va aller voir. On va aller voir au compost. Hop. On va remettre celui-là là. Donc ce gros tracteur, il nous sert principalement pour les labours, enfin les gros travaux. Autrement, on n'utilise que les petits tracteurs. Ouais, c'est bon. Hop. Hop. Excusez-moi. Voilà. Alors, on a vidé, là. Voilà. Donc, on a de quoi faire encore en serre à livrer. Je vais faire ça en off. Hein. Je vais les approvisionner hors vidéo. Hein. Je pense que la vidéo sera assez longue, là. Voilà. Là, j'ai ouvert. Tac, tac, tac. Donc, voilà. Ça commence à pousser. Donc là, nutriments, eau, on a tout ce qu'il faut. On pourra, ben, quand on aura des poivrons, on viendra les récolter. Tenez, regardez. Là, on en a quelques-uns, poivrons. Ils sont jolis comme tout. Impeccable. Donc là, ça commence. Hop, on va fermer là. Ici, c'est quoi? Ça doit être des salades, je pense. On va aller voir ici. Tac, tac, tac. Hop. Ah, là il nous faut des plants de laitue. Donc ben, la prochaine fois, on a tout ce qu'il faut. La prochaine fois, j'achèterai des plants, on les ramènera. Hop, là comme ça on a vu qu'il nous fallait ça. Donc j'irai acheter des plants qu'il nous faut, qu'on a besoin, et on fera ça ensemble. Dans une prochaine vidéo. Donc là, c'est des tomates. Donc là, c'est des tomates aussi. Donc ben, je vais ramener tout ça. Et les prochaines fois, ben on viendra récolter. Là, il y a une salade, il va nous falloir des plants aussi. Là, c'est bon. Bon, ben voilà, ben je vais me procurer tout ce qu'il faut. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez les amis, ciao, bye bye.